Salut Instagram qui me dit, vous êtes connecté en direct. Très bien. Hello everyone. Bon, j'avais promis que si j'avais du débit, j'étais ici aujourd'hui et j'ai du débit apparemment. Bon, j'espère que vous allez très bien. Vous avez été nombreux à me contacter par différentes voies pour me dire comment la vidéo d'hier vous a paru intéressante et riche. Je m'en réjouis j'avais prévu non de parler de Lilith parce que je ne suis pas encore psychologiquement prête quand euh, de commencer à parler comme ça en public de Lilith déjà il faut que je le fasse sur ma plateforme mais j'étais prête à faire sortir ma Lilith hein, et parler de sujets un peu ténébreux <laughs> mais hum, la pleine lune la nouvelle lune pardon va se tenir au cours de la nuit qui arrive et je me suis dit qu'il serait mieux de peut-être parler de ça et après aborder les sujets épineux. Même si je vais déjà aborder aujourd'hui quelque part une partie épineuse du sujet, parce que cette remise en question et cette forte reconsidération de nos valeurs que Vénus rétrograde va nous exhorter à faire. Eh bien, je pense qu'elle est très en rapport avec ce que l'on est en train de vivre et c'est euh, non négociable qu'on est en train de découvrir, euh, ou j'espère que vous êtes en train de découvrir. Moi, personnellement, ils étaient plutôt clairs, mais là, j'arrive à, à des moments de... J'en ai un peu marre de... Euh, ne jamais savoir qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire, euh, que je ne sois jamais au courant, euh, que tout, tout soit dans une espèce d'obscurité. Euh, bref, Ouh, je l'arrange <laughs> et je la sors demain. Mais aujourd'hui, on va toucher quelques sujets. Hello Anne. Salut à tout le monde connecté sur Facebook. Et mm, salut Anne-Laure et Lina, Léana. Je ne sais pas comment on prononce ton nom, mais salut. Donc, euh, je te racontais hier qu'on est entré dans la saison taureau, que la saison taureau est une saison qui quelque part nous invite à nous reconnecter à tout ce qui est notre expérience corporelle et sensorielle. d'ailleurs, je me suis noté plusieurs trucs pour te dire. Perrine, salut. Ou Robert, Perrine, oui, c'est Perrine. Euh, faire des choses comme écouter de la musique, découvrir de nouveaux artistes ou faire des revivals, tu vois, ressortir les vieux titres que ça fait mille ans. L'autre jour, je me suis remise à écouter Terence Trent Darby. Je ne sais pas si tu connais ce gars mais moi je l'écoutais dans mon jeune âge quand, ben, quand je terminais le, le lycée et que je commençais euh, l'université. Et mon Dieu, j'avais oublié à quel point j'aimais et ça me met de bonne humeur cette musique. Donc c'est un excellent moment en ce moment pour justement faire des trucs comme ça qui te font du bien, qui te relèvent le moral. Parce que tu sais, on parle très souvent de notre fréquence vibratoire et c'est un fait, nous sommes euh, énergie et comme énergie, nous avons une fréquence vibratoire et il y a des choses... Qui, qui font que ta fréquence vibratoire descende et, et, te, et elle, elle commence à, à être très dense, très lourde et donc c'est là qu'on qu on est de mauvaise humeur, qu'on est intolérant, etc., etc. Et tu peux faire des choses qui élèvent ta fréquence vibratoire à travers la musique, par exemple, qui te met de bonne humeur, qui te met dans un état d'âme différent, tu vois, plus ouvert, plus. Et quand, quand toi tu vas bien émotionnellement, aucun doute que tout va mieux dans ta vie. On est d'accord Même les mauvaises nouvelles qu'on t'annonce ou les trucs que tu as à gérer merdiques, où il te faut plus de patience et tout ça, quand toi tu es bien émotionnellement, tu les gères mieux. Donc, écouter de la musique, découvrir de nouveaux artistes, ressortir les vieux artistes, tu vois, te rappeler cette chanson que tu chantais quand tu étais, euh, j'en sais rien, ado par exemple, avec tes copines ou tes copains. Cuisiner, faire du pain, masser des trucs, pas pizza. Euh, modeler, se masser aussi. Dessiner, colorier. Euh, jouer à deviner le parfum ça c'est un excellent jeu pour les gamins par exemple tu vois tu fais comme des pots euh, et même euh, si tu t'as pas de gamin et que vous êtes toi ton chéri tout seul euh, chez vous euh, pour la raison que ça que ça n'a pas d'enfant c'est un truc que tu peux faire un jeu de deviner euh, l'odeur tu vois ça c'est génial organiser une séance karaoké organise toi une séance karaoké à qui ça peut faire du mal de prendre un micro, même si c'est juste euh, genre imaginaire, et chanter euh, tes tubes préférés à tue tête. Ça ne peut faire que du bien, on est d'accord Ou organiser un blind test. Même ça, tu peux le faire à distance, avec euh, les copains, avec euh, les copines. Hein Donc tout ça, c'est des trucs que tu peux, qui sont à t'apporter au cours de ce confinement, qui te font entrer déjà. Dans euh, disons l'énergie euh, Taureau. Mais on va parler de trucs un peu plus profonds. Hein? Mmh. Natalia, ça va? Catherine, bonjour. Lise, Céline, hey, salut. T'es en pause? Euh, T'es en pause midi? César Rico Prima mira que hago esfuerzos pero no me entero de nada prueba francés con acento mexicano <laughs> no puedo tío ya luego te hablo a ti en español Anne pareil je me refais toutes les musiques que j'écoutais à dos incroyables ça me rebousse de ouf mais grave mais ça fait un bien et... donc faites-le faites-le et euh... attention la corona pff, euh, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire et euh, aux voisins lise les voisins ils se font tellement chier qu'à la limite si au moins tu vas leur donner un petit moment de rigolade de se foutre de ta gueule et salut tout le monde par ici qui ne participe pas mais qui sont là présents bon donc on est dans cette saison euh, du corporel des sensations etc etc et euh, je te disais hier Vénus est super importante. Pourquoi Parce que Vénus est la maîtresse du taureau. Et quand on est en train de vivre une saison solaire quelconque, on veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe avec le maître de ce signe. Comme je te disais hier, Vénus est déjà en nombre pré-rétrograde. C'est-à-dire que les contacts et les choses qu'elle est déjà en train de faire, mais de ça je vais t'en parler un autre jour parce que sinon ces lives sont super lents. Mais c'est important que tu le notes que tout ce que Vénus est en train de faire en ce moment et eh bien ça va aller et revenir et aller et revenir parce que c'est le principe même de la rétrogradation l'état dans lequel se trouve Vénus hein, le signe dans lequel se trouve Vénus lors de sa rétrogradation nous donne aussi beaucoup d'indications et je te disais que Vénus étant dans le signe des Gémeaux et eh bien elle considère, elle s'ouvre, elle, 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 disons, euh, accepte ou elle est dans l'accueil de plusieurs options. D'ailleurs, toutes les options pour un gémeau, toutes les options <laughs> sont bonnes. Il ne faut jamais euh, exclure aucune option. Et que le problème avec cette Vénus, c'est qu'elle peut avoir tendance à rester dans l'ambiguïté, l'ambivalence et le manque d'engagement parce que ça, je veux, ça, je veux, ça, je veux aussi. Et tout ça, je veux. Mais bon, on aura le temps d'explorer ça et tout. Mais c'est un excellent transit et je trouve que ça colle tellement bien avec ce qu'on est en train de vivre tous. Pour justement considérer les options. Et considérer les options par rapport à quoi Eh bien, par rapport à l'énergie de Vénus qui est en rapport avec la valeur, notre valeur, et comment on raisonne avec d'autres choses et personnes autour et situations, énergie autour de nous en fonction de ce à quoi nous nous donnons de la valeur. Mais tu sais, quand on parle de valeur. Attends, je vais lire les. les les participations et je continue étant gémeaux et ayant venu en gémeaux maison 5 faut-il prendre en considération le degré 29 je comprends pas mmh. explique-moi faut-il prendre en considération tu as venu sans 29 degrés des gémeaux Claire Siam tu t'appelles Siam bonjour Milkaya, bonjour Claire, coucou Milkaya, écouter du disco développe mes endorphines mais tu m'étonnes et te faire une séance... Euh... Staying alive, non <laughs> Ça fait trop de bien. Bon, soyons sérieux. Alors, j'en étais où Oui, cette histoire de cette histoire de valeur, cette histoire de valeur n'est pas juste un ah, ça ça a une valeur pour moi hein, et euh, ben, je lui donne une certaine valeur. Les valeurs, on est d'accord. Ce à, à quoi toi tu donnes de la valeur ce qui t'intéresse, ce qui attire ton attention, élevé à, à, à un autre, disons, niveau, parle de tes principes et de tes valeurs fondamentales dans la vie, qui, qui elles, sont, disons, euh, plutôt du royaume de Jupiter, qui d'ailleurs s'entend magnifiquement bien avec euh, Vénus. Mais c'est ce désir que tu as. Qui, qui a été tant euh, puni parce que le, le désir, il ne fallait pas avoir de désir, on nous l'a tous de suite mélangé au sexe, c'est dégueu, ça déshonore et tous ces trucs-là, et pendant des générations entières, on nous a rempli la tête de conneries et les personnes ont perpétué ça, en, en, en parlant de ça, en jugeant les autres, en se pointant des doigts, bref. Cette cette essence ambitieuse et désireuse qu'est Vénus et qui est à l'origine de, de, de pratiquement tout ce que l'on fait. Parce que toi, tu fais les trucs, parce qu'il y a un truc qui se réveille en toi et que, qui te dit, tu vois, j'ai trop envie. Bon, après, il y a d'autres processus mentaux, il y a oui, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça ne l'est pas, mais avant tout ça, il y a le ⁇ Tu vois Le ⁇ ça m'irait trop bien j'aimerais trop ça oh là là tu vois et ce désir qui, qui donne de la valeur à, à des choses dans ta vie à des situations à des personnes à toi-même à des idées etc etc évolue dans quelque chose de plus fin si tu veux de plus philosophique c'est là la dimension euh, jupiter j'espère que tu me suis parce que je vais aboutir et de la dimension Jupiter, ça évolue encore plus vers le sens plus, comment dire, euh, spirituel de nos principes et de nos valeurs. C'est, disons, comme une euh, échelle d'évolution, où on part de, de ce désir plus brut, de cette ambition qui... qui qui résonne avec les choses que nous, nous valorisons dans la vie. Quand je dis des choses, ne pensez pas qu'au matériel. C'est juste par confort, de ne pas dire et situations et personnes et principes et principe et OK? Vous comprenez, non? Ce, ce que, ce, ce que l'on désire et que l'on valorise, à quoi on lui donne une valeur, comment ça évolue à, à quelque chose un peu plus, un peu plus, non, assez plus philosophique, qui, qui devient donc une, une partie de nos convictions de vie, de notre philosophie de vie et, et, et ça encore ça peut évoluer vers euh, ben, nos principes de mm, plus spirituel et, et cette évolution c'est celle que l'on fait de l'énergie vénusienne à l'énergie jupitérienne et à l'énergie neptunienne qui est vraiment la dernière bon maintenant que Vénus va être en pleine, à chaque fois que Vénus est en, en mode rétrograde, c'est parfait pour nous de dire ok où ce que j'en suis par rapport à mes désirs, par rapport à mes ambitions dans la vie, parce que tu sais on évolue, on change d'avis, on change de goût, on découvre de nouveaux goûts, on on, on avait abandonné des goûts que l'on se redécouvre après. Il euh, y a des choses qu'on kiffait euh, grave à 15 ans et qui, à 40, ben, tu t'en fous maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des choses qui, à 15 ans, te paraissaient ringardes et nulles <laughs> et qu'à 40, tu kiffes trop. Voilà. <laughs> Donc, euh, on évolue dans ces trucs-là. Mais moi, je veux emmener le, le, l'exercice de, de se poser euh, les questions sur les, sur, sur ce, ce désir, cette ambition et donc cette, ces valeurs que, que toi tu peux avoir dans la vie, un peu plus loin en profitant de la situation. Ça, ça fait partie des, de la série que je vais faire toute la semaine. Et concrètement, là, là, aujourd'hui, on est en phase dark mooning. La phase Dark mooning est, est ce, quelques heures avant euh, la nouvelle lune, avant que le soleil et la lune arrivent exactement au même degré du même signe et se fassent leur bisou mensuel. Ils se font un bisou mensuel dans chacun des douze signes du zodiaque et euh, cette, ce moment de la nouvelle lune va être euh, au cours de la nuit à 2h25 du matin, heure universelle. Chacun fera sa conversion. Donc euh, le 23, parce qu'on sera déjà le 23, 23 avril à 2h25 du matin, le heure universelle. Le Soleil et la lune seront arrivés au même degré, degré 3 du taureau, pour que tu ailles regarder dans ta carte. Et là démarre pour nous la possibilité de nous engager dans les sujets du Taureau par rapport à aux affaires de la maison Taureau de nos c'est un engagement émotionnel moi je dis très souvent tu sais comment je suis fan des émotions et comment je sais parce que 20 ans de ma vie que j'ai fait de, 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 de carrière dans le monde de l'enseignement, l'éducation et la formation que L'émotion est un de nos outils les plus importants pour apprendre ou ne pas apprendre. Hein? Toi, assis-toi devant un gamin, gueule-lui dessus et essaye qu'il apprenne quelque chose, c'est mort. Et même devant un être humain adulte. Euh, par contre, si tu sais lui vendre le truc, si tu sais le lui présenter, etc., etc., l'apprentissage va se passer beaucoup mieux. Bon. Quand je parle d'engagement émotionnel, c'est justement l'énergie qu'il y a pour dire, c'est que je suis prête émotionnellement, je m'engage, je veux faire ça. Cette nouvelle lune se fait en conjonction, pas exacte, mais à 3 degrés d'écart, 3 degrés, c'est ridicule pour une conjonction, c'est super petit, avec Uranus. Uranus qui est en taureau. Uranus en taureau est arrivé... Bon, en 2018, il est arrivé un petit coup, il a regardé, il est reparti, il a terminé ses affaires en bélier et après, wop là, l'année dernière, il a rebasculé en taureau. Uranus en taureau, j'ai fait déjà une vidéo au sujet que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas encore regardé, est en train de dire oui, oui, oui. Les affaires taureaux, la valeur, l'utilisation de la terre, euh, le monde agricole, le monde bancaire, les, les moyens d'échange de valeur que l'on a dans le, dans le monde donc euh, aussi tout ce qui est euh, euh, la finance etc etc même si cela ne relève pas exclusivement du taureau mais je veux pas te mélanger les, les pinceaux tout ça hum, c'est le moment de le changer c'est le moment de euh, ça ne ça ne nous convient plus c'est on est entré dans un truc trop ankylosé alors c'est vrai que d'un côté, ça tout ça pourrait nous donner envie et dire "Oh oui, changeons tout ça, mais d'un autre côté, l'énergie Taureau n'est pas très très compatible avec faire des changements à la Uranus tu vois parce que Uranus il vient pas te dire et eh, je vais arriver dans deux semaines hein, et je vais euh, faire des changements non Uranus arrive et secoue dans tous les sens il électrifie tout ce qui <laughs> tout ce qu'il touche en gros. Et il a un gros facteur surprise qui vient avec lui. Bon, la présence d'Uranus en taureau, qui va rester encore pendant quelques années, nous exhorte tous à trouver de nouvelles voies d'exploiter nos ressources, parce que taureau, c'est nos ressources, ok la, Les ressources de la terre, parce que taureau est en rapport avec le monde agricole et comment on exploite, on exploite ces ressources. Les valeurs et les euh, monnaies d'échange, si tu veux, de la valeur. Donc, tu vas me dire qu'on n'est pas dans un moment où tout le monde est en train de se poser 800 000 questions par minute en rapport avec ce que je suis en train de te dire. Ce cet arrêt dans lequel on est est en train de poser beaucoup de questions dans la tête des gens. Déjà parce que on est en train de la Terre est en train de nous démontrer empiriquement que quand on ralentit le rythme et qu'on arrête de polluer à gauche et à droite, eh bien elle a le temps de se nettoyer. Donc ça c'est des trucs, tu vois. Qu'avant euh, les scientifiques ils disaient oh mon Dieu, on est en train de détruire la Terre et il y avait en plus ceux qui est les pros euh, écologie et contamination, les les non euh, c'est c'est comment c'est c'est une conspiration, c'est une théorie conspiratrice qu qui disait non non c'est pas vrai. Bref, là on est en train de le voir de façon empirique comment. Euh, les rivières se nettoient comment l'air se nettoie etc etc on est en train de voir plein d'autres choses en rapport avec tout ce qui est notre système économique comme par exemple aujourd'hui ce matin mon chéri me racontait qu'il était en train de lire le journal pendant qu'on se préparait un petit café et il me dit <laughs> tu sais qu'en ce moment euh, le, le pétrole et en train, pratiquement, les gens qui vendent du pétrole dans ce monde sont en train de payer pour qu'il soit pris, parce qu'ils n'ont plus d'espace, même s'il si y a une énorme baisse dans la production de, 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 de cette matière première, eh bien, ils continuent à avoir des denrées qui arrivent et qui arrivent, et ils n'ont plus d'espace pour le stocker. Mais quand aurais-tu pensé... On te dit, il y a deux ans, non, mais tu sais, on va être en train de t'offrir le pétrole, hein. on va être en train de. Ils sont, le prix est négatif, genre, je te paye pour que tu le prennes. Et jamais personne En Enfin, on aurait tous dit, non, mais de quoi me parles-tu Bon, je pense que c'est un peu l'effet aussi, Uranus, qui est en train de dire, ces trucs-là, Uranus est là, toujours. Ou qu'il soit dans ta carte natale, ou qu'il soit en transit. Et là, pour te, pour te dire, quelque chose que tu ne peux même pas imaginer est possible. Et je vais te permettre de le voir. Quand est-ce que, est fin des années 90, quand un astrologue regardait les transits des années 2010, de, entre 2010 et 2020, et qu'il voyait que Uranus allait entrer en bélier, quand est-ce que cet astrologue aurait, aurait pu penser... Que Uranus en bélier, d'ailleurs il est entré en, en 2011, en bélier Uranus, allait amener une révolution des réseaux sociaux de, du culte de la personne, hein, parce que le, le selfie, le selfie est super Uranus en bélier, le regardez-moi, je m'affiche dans les réseaux, mais quand est-ce qu'on aurait pu prédire ça il y a 25 ans C'était pas possible. Pourquoi Parce qu'Uranus amène l'inimaginable, ce, ce, ce que tu ne peux pas encore t'imaginer parce que c'est du nouveau, du trop nouveau, du sors-toi de tes chemins battus. Et je trouve ça excellent, parce que cette nouvelle lune se, se fait en conjonction avec cet Uranus, ce qui est en train de nous dire, en gros, engagez-vous chacun de vous à vous réinventer à vous réinventer dans tout ce qui concerne l'énergie taureau. L'énergie taureau qui est maîtrisée par Vénus. Vénus qui est là <laughs> sur le point 2, elle n'est pas encore là, mais elle va l'être bientôt. Et moi qui te dis cette histoire de valeur, comment elle résonne chez toi Quelles sont les valeurs qui te portent Comment exprimes-tu ces valeurs Combien de choses es-tu en train de faire dans ta vie de tous les jours, sans réfléchir même pas au fait que ça peut trahir une de tes valeurs et que tu ne t'es même pas posé la question. Eh bien, s'il y a un moment pour te poser la question, c'est maintenant. Regarde, depuis plusieurs semaines, je suis en train de parler ici, mais bon, je suis loin d'être la seule, tout astrologue parle de ça à son style et depuis sa perspective qu'on est en train d'accoucher de clôturer un énorme épisode de la humanité et qu'on est en train d'accoucher d'une nouvelle société. dans cette nouvelle société, si on arrive avec les vieilles mentalités, eh bien on va repartir de plus belle dans le, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et moi, j'ai envie de te proposer au cours de ces prochaines séances euh, des scénarios différents pour que tu te dises, ah ouais, est-ce que ça me convient toujours Parlons, par exemple, de l'excès de domination du monde économique dans la vie de tous les êtres humains. Parce que moi, par exemple, en ce qui me concerne, professionnellement parlant, aussi bien mes débuts professionnels que mon présent professionnel, ça m'a toujours effaré que des personnes, bon, je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, hein. je l'ai fait. J'ai été dans des euh, dans des postes de travail très peu longtemps, parce que je ne peut pas tenir. Mais j'ai été dans des postes de travail que pour le salaire, tu vois, jusqu'à ce que euh, mon être était complètement en train de s'éteindre. Maintenant, est-ce que tu peux t'imaginer moi là <laughs> jour et nuit. Bon. Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça Parce que depuis la nuit des temps, on est en train de nous comment faire Brainwash, comment on dit ça Laver le cerveau, hein Sur des, avec des valeurs qui ne nous correspondent pas. Quand je travaillais avec les petits, j'étais effarée de savoir que l'OCDE, l'OCDE, je ne sais pas si tu sais ce que c'est l'OCDE, mais l'OCDE est une organisation entrepreneuriale. C'est des business qui catégorisent les pays en développé, sous-développé, moyennement développé, etc., etc. L'OCDE, c'est, c'est l'OCDE qui décide si la performance des gamins à l'école par pays est convenable ou pas. Alors, je te jure, je te jure parce que je l'ai étudié et je sais, je peux t'en parler, parlons de Montessori, parlons de Piaget, parlons de, ça c'est mes sujets de, je les connais par cœur. Je te jure, Qu'un gamin, quand il a trois, quatre, cinq, six ans, il n'a pas besoin d'être le premier de la classe. Il n'a pas besoin d'être mis en compète avec ses, avec ses pères. Il n'a pas besoin, un gamin de trois ans, d'apprendre à lire, ni les tables de multiplication, parce que comme ça, tu seras plus fort quand tu seras arrivé en, je ne sais plus comment sont les niveaux ici en français, M1, CD, je sais quoi. Mon Dieu! Mais pourquoi sommes-nous en train d'accepter ça Quoi On a les notes euh, comme les euh, banques, euh, super bien, nan nan non toi t'es foutu, oulala, en mathématiques. En plus avec un système qui ne marche mais nullement, en train de déjà, depuis hyper petit ces gamins, sont déjà dans une pression de ouf sont déjà dans il faut que je fasse mes devoirs et sinon ça va pas aller à l'école mais est-ce que ce système franchement père et mère de ce monde qui m'écoutait mais pas que parce que vous si vous êtes pas papa ou maman vous êtes sœur ou euh, cousine ou tante ou mamie ou j'en sais rien mais vous avez des personnes que vous connaissez des petits qui sont en train de grandir qui viennent avec une disons une, potentiel infini et que nous-mêmes nous-mêmes moi je connais des personnes dans mon entourage qui ont des gamins de trois ans et qui leur obligent déjà à écrire et moi je ferme ma gueule parce que c'est toujours un truc très compliqué tu vois les gens le prennent mal etc etc mais Bon, ici comme je ne pointe du doigt personne et que j'espère que personne ne se sent accusé et si tu te sens accusé, je suis désolé, c'est pas mon intérêt, mais peut-être que tu voudrais commencer à repenser si tu es en train de faire ça avec tes gamins. Non, tout ce qu'un gamin, je te le dis avec grande connaissance de cause, vraiment. Je ne vais pas te parler d'antenne 5G parce que je n'ai strictement aucune idée, mais de ça je peux te parler. Tout ce qu'un gamin a de précoce intellectuellement il l'aura ou elle l'aura de retard physique, émotionnel, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc, si tu es en train de mettre la pression, de te mettre déjà la pression, parce que tu crois que l'OCDE a raison quand on dit, quand ils disent que nous sommes à la ramasse, parce que euh, je ne sais pas qui a décidé que si tu avais cette note-ci ou cette performance-là, c'est que tu étais mieux que je ne sais qui. Si tu es entré dans ce stress, sors de là et sors tes gamins aussi. Rends leur service. L'apprentissage, disait Maria Montessori, et je te dis un truc, j'ai travaillé longtemps avec des gamins, l'apprentissage est quelque chose qui fait du bien aux gamins. Le travail, quand ça ne devient pas une source de stress, d'angoisse, de compétition avec des autres, de séparation, mais qu'au au, au contraire, ça, ça confère, confédère, comment on dit Aidez-moi les filles. Ça, ça, ça rassemble, ça fait équipe, ça, ça permet de partager avec l'autre ses connaissances, ses talents. Ça, en équipe, on est meilleur que tout seul en individuel. Quand tu arrives à faire ça dans ton groupe de gamins qui a eu des groupes de 30 gamins tu te rends compte que tout le reste examen c'est de la connerie en boîte et je te jure que comme j'ai été pendant 20 ans dans ces milieux et eh bien je peux te dire que ces gamins à qui moi je disais tu vas pas faire un examen Hein? On me fait chier la, dans la direction pour que tu fasses un examen, mais non, ben tu vas, te, vas voir, tes notes vont être euh, le résultat de tout le travail que je vois, que tu fais avec euh, dévotion depuis des mois et des mois. Ça, ça va être ta note. C'est moi qui le décide. Et si on veut me virer de cette école, eh bien, ah, ce sera tant pis pour euh, eux. Ces gamins, aujourd'hui, ils ont euh, des études universitaires et n'ont aucun, eu aucun problème ni aucune tarte pour arriver là où ils sont arrivés. Donc, cette histoire de, il faut étudier plus, 20 heures de devoir à la maison, vous obligez les parents à devenir gendarmes des gamins, mais c'est quoi cette merde? Un gamin n'a pas besoin de faire des devoirs. Un, un gamin aurait besoin de jouer un peu ou, ou de, disons, euh, Expérimenter avec ce que l'on lui a appris à l'école, mais de façon différente. Alors, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait à l'école, allez, on va faire une comptine, on va lire une histoire. Ça, oui, c'est un moment de partage dans la famille avec papa et maman, mais arrêtons le reste, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que ça, ça vous convient Parce que si ça ne vous convient pas, si ça ne te convient pas, eh bien, peut-être que, que ce serait le moment de dire est-ce que je vais continuer à soutenir ces choses-là, est-ce que je ne vais pas commencer à me renseigner, à voir d'autres options et à exiger des options différentes de ceux qui sont ici pour servir à la société, c'est-à-dire nos gouvernements De là, on peut partir à plein de trucs, mais tu sais, en tant qu'astrologue et coach, combien de personnes viennent me voir pour me dire... Moi j'ai un rêve, moi j'ai une envie, moi j'aimerais bien faire des toiles et vivre de ça. Mais qu'est-ce que ça apporterait au monde Ce n'est pas hum, productif, ce n'est pas. Mais qu'est-ce qu'on nous a foutu dans la tête Mais c'est pas comme ça. Mais bien sûr, moi je sais. Mais toi tu sais aussi et toi aussi tu sais parce qu'on te l'a dit, on me l'a dit, on nous l'a tous dit. Il faut que tu étudies un truc déjà. Il faut que tu ailles à l'université, obligatoirement, parce que sinon, t'es dans la merde. Donc, si t'as pas été dans l'université, déjà, il faut que tu acceptes des salaires de merde. Mais de toute façon, la génération des trente, des millennials aujourd'hui, les diplômes qu'ils ont de ouf, master 3 plus 5, bac plus 18, ils ont, et ont leur paye on lance-pierre. Tu veux m'expliquer c'est quoi cette arnaque? Qu'on te dise, fais ce que tu veux. Parce que, et je vais t'en parler, je vais t'en parler de l'entrepreneuriat durable, je suis aussi bien placée pour en parler. Fais ce que tu veux, fais ce qui fait vibrer ton corps, ton cœur, ton âme. Bien sûr qu'on a besoin de, de tout ça, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc fais ce qui te permet d'être et apprends ça à ton enfant et le courage de le faire toi. Parle-en aux gens, inspire-les à ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent être, pas être en train de faire 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 dans le truc du hamster dont je te parlais la dernière semaine. Pourquoi Parce qu'il faut être plus productif parce que le PIB, parce que le MEDEF a dit que maintenant tous les gamins il faut les faire rentrer à l'école. Pourquoi Parce que <laughs> il faut travailler plus pour qu'eux, eux ils gagnent plus. Non mais non mais pourquoi Mais pourquoi Moi j'ai beaucoup de questions. Moi j'ai beaucoup de questions et je vais te les poser euh, ces jours-ci pour voir si toi ça te fait poser des questions aussi ou ça te fait aller explorer d'autres territoires. J'en sais rien. <laughs> mais c'est quoi cette merde Pourquoi il faut être dans cette course pourquoi on nous a convaincus qu'on est des fers humains et pas des êtres humains Pourquoi une personne qui veut vivre de sa musique abandonne Parce que si elle n'est pas Britney Spears, bon, <laughs> ou je ne sais qui, on va parler de meilleure qualité, Aretha Franklin, eh bien, ce n'est même pas la peine. Mais pourquoi on a besoin on a besoin de tout ça dans le monde et ça je veux terminer un peu avec ça avant de lire vos messages et partir on a besoin de tout ça dans le monde parce que parce que on est malgré le comment te dire brainwashing scientifique qu'on nous a fait qu'on est juste des cellules regroupées qu'on est ici un peu par hasard et que on est bien plus que ça. Et sinon tu vas m'expliquer. Comment se fait-il Comment se fait-il que l'être humain a pu composer des symphonies comme tu peux les écouter aujourd'hui des classiques en musique Tu peux m'expliquer comment l'être humain peut écrire des poèmes d'une sensibilité qui te fait vibrer et qui te fait avoir la chair de poule Comment tu peux m'expliquer tout ça si on était juste un groupe de cellules qui sommes ici arrivées par hasard après le Big Bang et que nous sommes ici juste pour rendre service à l'OCDE et à, à la banque mondiale et à tout ça? Non on n'est pas là pour être productif on n'est pas là pour être productif on est là pour vivre un mystère de la vie, le mystère de la vie. Et chacun devrait pouvoir le vivre comme bon lui semble. Alors bien sûr qu'il va y avoir des soleils et des ascendants en capricorne qui vont dire, moi je m'en bats les couilles de ce qu'elle me raconte cette meuf. Moi je veux des résultats, moi je veux du chiffre d'affaires. Très bien, mais pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec nous tous pour arriver à ce stade où la seule chose qui importe c'est money makes the world go round alors que Bon, j'ai des données à vous, vous partager, pas aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, je vais en rester ici. Sur ça, vous allez être effarés comme moi. Hein? Donc, pourquoi Pourquoi tout tourne autour de l'argent Pourquoi la seule valeur qui est en train aujourd'hui de tout encadrer, silencieuse et sibilinement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais... Pourquoi c'est l'argent L'argent que ni même toi ni moi avons le droit d'avoir parce qu'elle se concentre de plus en plus dans un groupe de plus en plus petit. De plus en plus, il y a plus de fortune au monde concentrée sur un groupe plus petit. Et de moins en moins, il y a de la richesse répartie dans le 90 restant pour cent où tu te trouves, où je me trouve et où nous nous trouvons. Je ne suis pas en train de dire renonçons à l'argent. On a besoin, c'est notre monnaie d'échange. Mais pourquoi nos valeurs sont toutes là Pourquoi Parce que je ne sais pas si tu te rends compte que, même subtilement, ce que je viens de te raconter de l'OCDE qui décide de, des niveaux des pays sous-développés, euh, des niveaux scolaires, s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, s'ils sont à la ramasse, ça te paraît normal tu, tu es d'accord de continuer à faire ça Est-ce que tu es d'accord de continuer à soutenir ça avec euh, nos gouvernements, nos entreprises multimilliardaires qui continuent à se faire euh, les couilles en or et qui continuent à nous exiger alors qu'ils ne nous valorisent pas Parce que là, là, ils sont dans la merde. Beaucoup de grandes entreprises et des petites. Moi aussi, je vais être dans la merde quelque part, hein, parce que forcément, ça, tout, tout ça m'a touché aussi. Mais ils ne sont pas que dans la merde parce que <laughs> on n'est pas en train de travailler tous dans nos postes de travail. Non, c'est que les personnes qui faisons et animons cette économie et la rendons vivante, et eh bien, nous sommes enfermés aussi. Même si je veux aller me faire un resto ou même si je veux aller m'acheter une jolie paire de boucles d'oreilles, et eh bien, je ne peux pas. Mais est-ce que tu entends? Par hasard, le Medef compa et compagnie dirent ⁇ Oh mon Dieu, combien nous sommes en train de nous rendre compte que si on n'a pas la population mondiale pour acheter nos produits, nanana, on est vraiment dans la merde hein ⁇ <laughs> Ben oui, c'est aussi ça. Tu t'étais déjà posé la question. Donc bon, voici un petit, parce que tu sais, Vénus, en tant que... Ambassadrice de la valeur, du désir et de l'ambition, elle est aussi ambassadrice de l'argent, qui est aussi une valeur, okay? Et des marchés financiers, qui sont euh, les espaces où on est en train de gérer cette valeur, avec très peu pour ne pas dire aucun, aucun principe moral, d'aucun type, où on est en train d'utiliser l'argent pour gagner plus d'argent mais gagner plus pour aller où moi je me demande quand en ce moment 10% du monde de, de, de la population mondiale détient 90% de la richesse mondiale c'est un truc de ouf hein c'est des données que a publié Oxfam euh, juste avant la dernière réunion de, de à Davos euh, janvier 2020, je vais venir les amener imprimer et quand je publierai mes vidéos, je mettrai comme d'habitude mes sources et mes liens pour que tu ailles te renseigner toi-même et que tu te fasses une idée. Quand, quand ils auront réussi à amasser tout le 100 merde, je suis en train de rester sans batterie de la de, des ressources, il va se passer quoi bah, À quoi te sert d'être si riche, si riche, si riche, si riche Je comprends pas, ça me dépasse. Mais en tout cas, moi, ça commence à me fatiguer très sérieusement, et je me dis, mais pourquoi sommes-nous dans ça Pourquoi sommes-nous en train de vendre notre âme Mais quand tu es en train de renoncer à ce qui te fait kiffer dans la vie, que ce soit de la musique que toi tu veux faire pour apporter à cette, à cette vie de, de, du son agréable et aider les gens à élever leur, euh, leur fréquence vibratoire ou que ce que tu veuilles apporter c'est de la beauté visuelle parce qu'on en a besoin, ça nous, nous nourrit l'âme, on n'a pas, pas que besoin d'argent, de Netflix et euh, de partir en voyage euh, une fois par an hein. on n'a pas que besoin de ça, on a besoin de bien d'autres choses eh bien je ne sais pas, c'est des questions qu'il faut se poser bref, je vais y aller euh, parce que, alors je vais regarder de ce côté parce que j'ai moins de commentaires et après je repasse sur Facebook, ça me remonte en espoir, après avoir regardé Arte hier soir, j'étais complètement d'un mood de colère et de pessimisme bon, je vais en parler demain, on va faire un peu le décryptage enfin je vais en parler, mais s'il vous plaît allez voir, allez voir euh, un... Je mettrai aussi le lien dans l'article où je publierai cette vidéo. Allez voir le documentaire sur Arte "Tous surveillés". Je l'ai vu avant-hier. J'ai eu le ventre retourné. Et la Chine est un des partenaires dont le ministre de l'Intérieur disait qu'il était en, avec lequel il était en train de parler pour évaluer les euh, comment on disait les technologies qui sont mises. Allez voir. Allez voir le documentaire et on en parle demain. Il dure environ 90 minutes et oh mon Dieu, oh mon Dieu. Angèle qui dit, ils disent quand ils perdent mais pas quand ils gagnent. <laughs> mais bien sûr. Parce que, bon, je voudrais vous raconter des histoires, là, quand je travaillais dans le boulot que je faisais pour l'argent, et qu'on venait me saouler, non Parce que moi, j'étais chef d'équipe, et non, il faut faire plus. Et moi, un jour, ça m'a fatiguée. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes Il faut faire plus. Mais je suis au courant des, des chiffres. Et j'ai balancé tout devant mon équipe, <laughs> devant le, le chef, et j'ai été mise à pied pendant une semaine. Mais ma Lilith, elle était très contente et très fière d'elle. Donc, oui, cette histoire de... <laughs> Mais arrête-toi Mais t'as envie de travailler plus Va travailler toi Non, finalement c'est ta boîte quoi. Et tu es en train de là de me mettre une pression de malade. Moi j'ai pas envie de vivre comme ça. C'est quoi cette merde Mais c'est quoi cette merde Et Si t'as envie toi de te mettre le la pression, ben vas-y. Bref. Donc euh, je regarde ici. Waouh j'ai beaucoup de Salut tout le monde, salut tout le monde qui me fait coucou, euh, je ne peux pas rester aujourd'hui mais je voulais t'envoyer une bise au passage avant de regarder le replay, <laughs> merci Virginie. Corinne qui dit hello, gros gros problème de connexion, ok, euh, le conditionnement de ce que l'on peut et pas faire et être, et exactement, d'autres décident pour toi ben, décide pour toi si toi tu veux moi, moi je pense qu'il est vraiment temps qu'on commence à exiger on a les outils pour commencer à exiger que le gouvernement aujourd'hui je disais à mon chéri, vu la situation mondiale quand il me racontait le truc du pétrole les gouvernements, ils devraient être en train de discuter ils devraient avoir convoqué tous les grands penseurs du monde tous confondus et être en train de s'asseoir et de dire bon, on va faire comment on va faire comment? Parce que cette histoire n'est pas soutenable. Elle n'est pas durable dans le temps. Clairement, on est en train d'apprendre plein de choses sur notre gestion des situations. Mais non, 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 ils sont pas en train de faire ça. Et en plus, mon chéri me dit, bon, bah, peut-être ils sont en train d'avoir les, ré les réunions, mais nous, on ne sait pas. Mais pourquoi? Ça, ça ne me convient pas non plus. Pourquoi toi, gouvernement, que moi je paye avec mes impôts et mon dur travail, tu ne me renseignes pas à la virgule près de ce que tu es en train de faire pour gérer ce pays qui me concerne directement. Tu vois, tes décisions et ce que tu fais, ça me concerne directement. Donc, j'exige que tu me dises, arrête de me traiter comme si j'étais con et que non, mais nous, les énarques, on sait ce qu'on fait. Mais vous, le, la populace, qu'est-ce que tu me racontes je sais parfaitement de quoi on parle, donc moi, je veux que tu me renseignes. Je veux que tu me dises, bon, voici nos pro, non, bon, ben, <laughs> bonjour, je ne t'ai pas si le 11, mais on va tout sortir ou pas, peut-être que 15 élèves dans les maternelles. Euh, J'ai pas besoin, tu vas arrêter de me traiter, me prendre pour une conne, sérieusement, et tu vas commencer à me parler comme euh, je mérite que tu me parles. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, mais moi, ça me fatigue de plus en plus. Bon, dans la joie, on apprend mieux, c'est clair. Fédéré, merci Muriel. Euh, Martin qui dit bonjour et merci pour ton partage car les enfants sont l'avenir de l'humanité, mais grave. Dans l'éducation, ils ont oublié la théorie des intelligences multiples telle que la décrit Howard Gardner. Ça fait des années quand j'ai découvert ce livre, hein, mon Dieu, 1995, <laughs> jamais je ne l'oublierai. J'ai dit what the fuck avec cette histoire, ça m'a changé radicalement les idées. Et tout le monde qui a des enfants et qui travaille avec euh, de l'éducation devrait le lire. Collaboration, fédération avec les autres, merci. Maman, Yvette C'est ma maman de cœur qui me regarde. Bon, je ne sais plus si elle me regarde, mais... Exemple du système scolaire au Danemark. Bon, ne parlons pas trop du Danemark parce que le niveau de suicide va de plus en plus haut. Et moi, je me pose des questions par rapport à ça. Hein euh, Gisèle, Intelligence multiple, merci. J'ai posté le lien, merci. Quelle belle Lilith qui dit Isabelle. Elle est, elle est rangée encore. Hein. Je vais la sortir demain mieux. Créativité connectée au cœur, pas moi le fric. C'est voulu, voulu ce système pyramidal. Mais oui, mais nous, on peut arrêter de le soutenir en, 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 en mettant la pression, en, en, en protestant, en exigeant euh, d'autres choses à nos gouvernements et nos dirigeants. Daniel qui dit bonjour Milkaya, ton retour c'est du sucre <laughs> mince, ma Vénus est en poisson, voilà un éclaircissement pour moi. Mmh. Bonjour madame, content de vous entendre, ça fait plaisir de voir les étincelles positives sur les réseaux, <laughs> c'est cool. Sophie qui dit j'adore quand elle lit point de son nez, merci. Et Véronique. Chris qui dit, et ça c'est encore rien de ce qu'il nous prépare ce reportage, leur système de répression, torture, lavage de cerveau, je répondais à ton discours ma belle, je ne supporte pas que l'on décide pour moi, ça me fait Grrr. bon ben on est d'accord, voilà, donc ces questions, pas parce que demain on va arriver et on va dire, écoute moi Macron et compagnie là, ça va s'arrêter comme ça, non, vous savez que ça ne se passe pas comme ça, vous savez qu'il y a une transmission de valeurs qui se fait, euh, qui se fait de génération en génération. Et vous savez que ce genre de choses prennent du temps. Mais je pense que dans cet accouchement de cette nouvelle société auquel on est en train d'assister, nous, on doit commencer. Et, et, et puis les choses se font de moins en moins euh, lentement, hein, c est, c est, Moi, je suis un peu hallucinée de la vitesse à laquelle se tiennent les, les processus dernièrement. Donc, pourquoi pas envisager que ce soit plus rapidement Mais ça doit être plus clair dans, dans les têtes de, et dans les cœurs de, de tout le monde. Et donc, tout le monde doit se poser la question et se positionner par rapport à ça. Te positionner par rapport à ce que, pour toi, sont les valeurs fondamentales qui devraient te porter dans ta vie ne veut pas dire non plus bannir celle de celui d'en face, comme je te disais tout à l'heure. Parmi nous, il y a des ascendants en Capricorne et des soleils en Capricorne qui aiment la productivité et qui aiment faire du fric, et tout ça c'est très bien mais pourquoi cette façon de faire a été imposée à la majorité? Pourquoi? Pourquoi chaque personne qui ouvre un business ou qui se met en un indépendant pense que s'il n'est pas en train de facturer cling 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 comme un malade, eh bien c'est un désastre. Non. Pourquoi cette histoire d'entrepreneuriat de je n'ai pas d'idée, je voulais réentreprendre mais je n'ai pas d'idée, d'idée qu'il pourrait faire du fric. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe que j'ai un savoir-faire. Je vous ai vous en parler demain ou après-demain. Mais j'ai un savoir-faire. Il y a quelque chose. J'ai des valeurs qui portent ce savoir-faire. J'ai une vision avec ce savoir-faire. Et donc, j'entreprends pour le mettre à disposition de, de la société. C'est comme ça que ça devrait, et que ça se passe, et que ça devrait se passer. C'est pas, j'arrive et je te vends n'importe quoi pour me faire du fric le plus rapidement possible. Et pouvoir euh, sous-traiter les bouchons de mestilon en plastoc en Chine et, euh, et faire encore plus de marge parce que je suis plus malin que personne. C'est vraiment pas ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de montrer ça à nos gamins, à nos ados, à nos jeunes qui disent aujourd'hui, non mais c'est que moi je veux être youtubeur <laughs> et milliardaire. Non mais sérieux, quels sont les principes derrière ça Qu'est-ce qu'il y a comme principe derrière ça quelles sont les valeurs Vénus Voilà, quelques, quelques petits points de réflexion pour que chacun fasse son, son cheminement mental. Voilà. Dans les pays du Nord, ils ont mis un confinement intelligent en place. Je suis hollandaise, ma maman me tient au courant de tout. Dans les pays du Nord, ils ont le droit de sortir, les enfants vont rentrer à l'école, mais tout le monde a été testé. Juste les personnes âgées, fragiles et malades ont été mises en quarantaine. Le Premier ministre chez nous, il part au vélo, en vélo au boulot. Macron pourrait prendre un exemple sur ça pour commencer. Eh bien, il y a tellement, tellement de choses qui devraient être faites, mais moi, je suis ici pour que, que ce ne soit pas, il faudrait que... Il faut, tu vois, on est là, on est là à quelques heures de ce portail d'engagement émotionnel. Donc, bon, peut-être tu vas pas t'engager à sortir dans la rue avec les pancartes, oui, ça suffit, OCDE, dégage, tu n'as rien à dire sur l'éducation de nos enfants. On va trouver la voie, on va trouver la voie. Mais, Commence à te poser les questions. Commence à te positionner. Commence à te dire quelles sont mes valeurs fondamentales de la vie qui me portent et comment je suis en train de les exprimer dans les différents euh, secteurs de ma vie, dans les différentes facettes de ma vie. Qu'est-ce qui est important pour moi Comment je résonne avec ça Et comment je prends mes décisions en fonction de ces valeurs S'il y a un moment exceptionnel pour se poser cette question c'est bien maintenant ces questions donc euh, je t'invite à ce que tu le fasses et moi demain je viendrai avec d'autres euh, considérations toujours en rapport avec la valeur parce qu'on parle de Vénus et euh, que on est dans un monde contrôlé par l'avidité de pouvoir et, et de possession donc pourquoi ne pas discuter de ça et pourquoi ne pas euh, se faire les questionnements nécessaires autour de ces, de ces choses-là. Voilà. Donc, euh, je vais arrêter maintenant. Et je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. De journée, pardon. Soirée pour moi bientôt. Et je vais y aller parce qu'en plus, j'ai un rendez-vous et je ne sais même pas quelle heure qu'il est. Mais ça m'a fait plaisir de vous avoir ici. Merci pour vos participations. Et je vous dis à demain. OK? Prenez soin de vous. <laughs> Je vais arrêter ici d'abord.